Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'En Esprit que j'aurai le plaisir d'animer cette année en compagnie de Wissam Gzelka, qui d'ailleurs, que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans un prochain, dans le prochain numéro d'En Esprit, où il recevra Léopold Lambert pour un passionnant ouvrage intitulé « État d'urgence, une histoire spatiale du continuum colonial français ». Alors, vous connaissez peut-être le concept d'En Esprit, le concept est très simple. Chaque mois, vous retrouverez donc sur Parole d'Honneur, ou toutes les deux semaines, un entretien avec un écrivain, un journaliste, un universitaire, un artiste, un militant, autour d'un ouvrage centré sur nos sujets de prédilection, l'antiracisme, l'anti-impérialisme, les questions décoloniales en général. Alors, pour ce premier numéro de l'année, j'ai le très très grand plaisir de recevoir Dominique Manotti. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir. Alors, comme le dit votre livre, la présentation, vous êtes une légende du roman noir à dominante politique. Bon, c'est ce qu'il dit. C'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré, mais pas tellement en fin de compte. Alors, je vous reçois aujourd'hui pour ce passionnant ouvrage, donc un roman, Marseille 73, donc publié aux Arènes, donc en 2020. Donc, c'est un roman extrêmement bien documenté, avec des archives de l'époque, et qui revient sur un pan assez méconnu de l'histoire contemporaine française de la seconde moitié du XXe siècle et de l'histoire de l'immigration, à savoir cette vague de crimes racistes qui déferle, qui frappe Marseille et sa région en 1973. Alors, on a le très grand plaisir de lire une écriture sèche, claire, documentée, où l'on suit jour après jour les événements, les rebondissements, où l'on est tenu en haleine par toute une série de personnages singuliers et marquants, parfois extrêmement attachants. On y reviendra évidemment. On retrouve d'ailleurs le fameux commissaire d'Aquin, hein, le héros de nombreux de vos ouvrages, qui encore une fois va se confronter à l'injustice, à l'arbitraire, etc. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux rappeler un petit peu le contexte général. Cette vague de crimes racistes fait une cinquantaine de morts en France en 1973, mais l'épicentre principal se trouve à Marseille et dans sa région entre fin août et début octobre, début novembre 1973. On est donc en 1973, 11 ans après la fin de la guerre d'Algérie. De nombreux pieds noirs ont rejoint la France, des policiers de l'ancienne colonie ont été réintégrés dans la police métropolitaine, beaucoup vouent une haine intacte envers les Arabes, ils ne digèrent pas l'indépendance de l'Algérie en 1962 et sont très présents à Marseille et dans ses alentours. Il faut se souvenir aussi qu'on est après 1968 et que beaucoup de nervis de l'organisation de l'armée secrète, donc de l'OAS, ont été amnistiés par De Gaulle en 1968 et viennent s'installer à Marseille, et alors que pullulent aussi d'autres organisations néo-fascistes, je pense évidemment à Ordre Nouveau. On est aussi un an après la création du Front National en France, donc qui est né en 1972, et ces crimes s'inscrivent dans la longue série d'attaques menées contre les Arabes et particulièrement contre les Algériens, après notamment des épisodes comme le 14 juillet 1953 ou encore, évidemment, on le commémore cette année, le 17 octobre 1961 à Paris. Alors, cet ouvrage est d'autant plus essentiel qu'il ressemble malheureusement à bien des égards avec la situation que nous vivons actuellement, avec toutes ces rhétoriques, tous ces discours, ces lois racistes qui sont imposées, de stigmatisation envers les Arabes, de stigmatisation envers les musulmans, et aussi malheureusement, encore une fois, quelque chose qui se répète, c'est-à-dire une absence de réaction, de réaction de la part de la gauche traditionnelle. Alors, pour commencer, Dominique Manotti, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous avez découvert ces événements qui restent assez méconnus, même au sein de militants antiracistes et plus globalement aussi dans l'histoire générale de la France à la deuxième moitié du XXe siècle. C'est des événements qui sont très peu connus. Et pourquoi est-ce que vous avez ensuite décidé d'écrire là-dessus, justement? Alors, c'est un peu une rencontre de hasard. Moi, j'étais très militante à cette époque-là, en 73, mais j'étais parisienne et je n'avais pas du tout entendu parler des ratonnades à Marseille. Pas du tout. Donc, le hasard, c'est que j'ai travaillé à un roman avant celui-ci qui s'appelle « Or noir », donc, comme toujours, et qui se passe à Marseille. Donc, comme toujours, qui est sur le pétrole. Comme toujours, je lis beaucoup la presse et quand je prépare un roman, et je suis tombée complètement par hasard dans la presse locale sur, en page 5, pour les faits divers,
Un corps d'Algérien a été retrouvé dans le vieux port, probablement une chute accidentelle. Un Algérien a été tué, les unes après les autres, cinq lignes. Un Algérien a été tué par balle, probablement un règlement de compte entre coreligionnaires. Coreligionnaires, c'est bien pour un pays laïque. Les uns après les autres, sur 3 semaines, ça faisait à peu près 18 personnes. Là, c'est quand même normal de se dire qu'il se passe quelque chose. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Chaque affaire était expliquée par coreligionnaire, accident. Il y a même un qui était expliqué par un suicide probable. Bon, n'importe quoi. Ça, c'est la rencontre, si vous voulez. Et du coup, moi, j'ai envie de m'y intéresser. C'est-à-dire que ce qui me stimule, c'est que cette accumulation d'assassinats est recouverte par le silence. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, les silences noirs. C'est ça qui m'incite à aller y voir de plus près. Quand je me trouve devant une affaire, dont on ne parle pas et dont on fait tout pour ne pas parler. Alors je me suis dit, là, il y a quand même un truc très important qui est en train de se passer. Il faut que j'aille voir. Voilà, ça a commencé comme ça. Oui, c'est toute cette construction de l'oubli qui est extrêmement importante, sur laquelle Oui. on reviendra, cette construction de l'oubli, de l'impunité en général. Mais on reconnaît évidemment dans cet ouvrage toute la patte brillante de la romancière que vous êtes. Mais il y a aussi tout un travail de recherche. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire, que vous avez enseigné l'histoire à Paris 8. Et on voit dans cet ouvrage des coupures de presse de l'époque, des déclarations de responsables politiques de l'époque, des choses qui sont vraies. Comment est-ce que vous avez procédé pour mettre sur pied ce roman? Est-ce que, par exemple, vous avez épluché des archives, recueilli des témoignages? Comment est-ce que vous avez construit petit à petit dans la Oui, méthode, je veux dire. si vous voulez, la démarche, c'est à peu près la même pour tous les romans que j'essaye de faire. À partir du moment où je me pose une question, mon roman, c'est ce qui va me permettre de comprendre et de répondre à la question. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et quelles sont les conséquences? Bon, donc voilà, la démarche, elle est toujours la même, c'est-à-dire j'écris un roman pour comprendre ce qui est en train d'arriver là et que j'ai sous les yeux. Bon, donc évidemment, je vais m'y prendre à peu près comme les historiens, sauf que malgré tout, je vais vous décevoir, mais je ne vais pas jusqu'aux archives. D'accord. Hein. Les archives, c'est quand même un boulot énorme qui prend énormément de temps. Et déjà, j'ai à peu près un an et demi de travail sur documents avant de commencer à écrire. Si je plongeais dans les archives, j'en aurais pour 4-5 ans. Je ne peux pas faire ça. Mais les coupures de presse, vous les Ah, trouvez bien quand même. sûr. Voilà. Alors, la lecture de la presse, la démarche, elle est toujours la même, la lecture de la presse, la lecture de tout ce qui a été écrit dans la période, jusqu'à la période contemporaine, par des historiens, par des sociologues, etc. Là, il y avait le livre qui sortait à ce moment-là de Rachida Brahim. Bon, tout ce qui est sorti, je le lis. La presse, je la lis. Et ensuite, je cherche des témoins existants. C'était en 73. Finalement, il y a pas mal de survivants. Il y a même beaucoup de survivants. Là, j'ai interviewé un journaliste, un avocat. Bon, voilà. Et puis, sur la question de la police marseillaise, qui est quand même une histoire extraordinairement compliquée, bon, j'ai utilisé un travail de policiers qui ont fait une œuvre d'historien, une histoire de l'évêché qui existe, qui est bien faite. Et j'ai interviewé une des auteurs, une des autrices de l'histoire de l'évêché, qui est une amie, et qui m'a aidé à me repérer dans ce maquis, parce que, y compris pour les historiens, c'est très très compliqué, parce que y a un fonctionnement légal, officiel de la police, et puis il y en a un autre, qui est le fonctionnement réel. Bon.
Donc, y compris les historiens ont du mal à s'y retrouver. Donc, c'est une belle matière pour les romans. Donc, voilà, je fais ce travail-là. Je le fais presque toujours, hein. Beaucoup la presse, beaucoup les travaux scientifiques et beaucoup les témoignages. Je précise juste que l'évêché, c'est le site de la police à Marseille. C'est le comité, c'est le commissariat Commissariat central. central de Marseille. Il est en train de déménager, mais bon, à l'époque, il était là. Oui, donc avant de rentrer dans le cœur du sujet, et cette histoire, hein, qui est toute la trame de l'histoire, l'assassinat d'un jeune arabe, Malik, je rappelais un peu le contexte explosif, et il y a un élément qui est extrêmement important, qu'il faut prendre en compte, qui a lieu avant 1973, et qui est très important pour comprendre ensuite les attaques qui sont perpétrées contre les travailleurs arabes, c'est la circulaire Marcelin Fontanet de 1972. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit précisément? Et est-ce que c'était, je ne sais pas, une manière à l'époque de donner des gages à la droite ou à l'extrême droite, de mettre en place une circulaire pareille? Si vous pouvez déjà rappeler ce que c'était. Alors, la circulaire Fontanet-Marcellin crée vraiment la notion de travailleur clandestin. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait un contrôle beaucoup moins strict de l'entrée des travailleurs immigrés. Et après toute une série de périodes de résidence en France et de travail en France, il y avait au fur et à mesure et au fil du temps des régularisations. Et bon, il y a eu, pas comme de cette façon, si vous voulez, bon, j'ai bien connu par exemple l'expérience du Sentier sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. Le Sentier, la confection parisienne dans le cœur de Paris à l'époque, le Sentier, ça a été une énorme machine à fabriquer des Français. Il y a eu l'émigration des Juifs d'Europe centrale, il y a eu l'émigration des Arméniens, il y a eu l'émigration des Yougoslaves, et au fur et à mesure, les uns remplaçant les autres, les gens devenaient français, bon, normalement, naturellement, etc. Bon. La circulaire, crée une obligation pour être présent sur le territoire français et pour pouvoir y travailler, d'avoir un contrat de travail et d'avoir une résidence correcte. La situation, c'est que 86% des travailleurs immigrés à l'époque n'ont pas de contrat de travail, que l'industrie française s'est reconstituée en très grande partie aussi sur le travail clandestin, donc pas de contrat de travail. Et d'autre part, c'est l'époque des bidonvilles. C'est l'époque où on a autour de Paris une quantité de bidonvilles et où l'habitat des travailleurs immigrés est extraordinairement dégradé, y compris dans les foyers. Donc, à la suite de la circulaire Marcelin Fontanet, 86% des travailleurs immigrés présents sur le sol français deviennent des clandestins. Et c'est le point de départ de la campagne d'ordre nouveau qui est halte à l'immigration sauvage. Le terme de sauvage, évidemment, n'étant pas choisi au hasard. Ça passe beaucoup avec aujourd'hui, ce Mais qu'on bien entend. sûr, mais bien sûr. Et si vous voulez, c'est vraiment le point de départ de toute cette conception qui nourrit l'extrême droite. Ça Voilà, s'ouvre par là, ouais. c'est très important ce qui se passe à ce moment-là. Et en région, enfin à Marseille et les environs, il y a en même temps une très grande population pieds-noirs, une grande concentration de population pieds-noirs, qui a importé en France le racisme tel qu'elle le vivait aux colonies, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de racisme déjà en France, mais la touche pieds-noirs est quand même une touche très, très importante. Et puis, l'amnistie de l'OAS, qui est complète à partir de 68, De Gaulle ayant besoin de récupérer les anciens contre les gauchistes, et qui, pour la plupart, se réétablissent dans la région marseillaise. D'ailleurs, il y a un événement. Enfin, l'extrême droite, en plus, s'engouffre dans la brèche ouverte par la circulaire Marcelin Fontanet. Et avant même Marseille, il y a des événements qui ont lieu à Grasse, donc dans la région marseillaise, au nord de Cannes.
là aussi, des militants vont s'attaquer aux travailleurs arabes, avant même ce qui se passe à Marseille. Pas des militants. Pas des militants, je veux dire, oui, oui. Non, non, c'est la chose vraiment angoissante à Grasse, c'est que tout de suite, c'est la population de Grasse qui s'attaque aux immigrés. C'est-à-dire que ce n'est pas les militants d'ordre nouveau, là. À Grasse, c'est la population d'artisans et de commerçants. Alors, il y a, si vous voulez, la logique qui découle de ça, de la circulaire Fontanet-Marcellin, c'est que les travailleurs immigrés se mettent à réclamer des contrats de travail. C'est logique. Ils n'en avaient pas. Bon, ben, et en particulier à Grasse, c'est pour beaucoup des travailleurs agricoles sur les plantes odoriférantes, etc., etc. Bon. Donc on a une manifestation devant la mairie, parfaitement pacifique, de 200, 300 ou 400 travailleurs immigrés qui réclament un contrat de travail. Et le maire fait intervenir les CRS et fait une réaction extrêmement violente. Et ce qui est absolument spectaculaire, et d'autant plus grave que ça semble ne correspondre à aucun mot d'ordre politique, c'est que les artisans et les commerçants se joignent au CRS pour ratonner la population immigrée. Et il y a, à la fin de la soirée, une cinquantaine de blessés très graves. Ce soir-là, il n'y a pas eu de mort. Mais c'est un signal déclencheur extrêmement fort à cause de ce soulèvement populaire, si vous voulez, de gens qui jusque-là vivaient ensemble, à peu près. À peu près. Vous parliez justement du maire de Grasse. Vous vous rappelez ce qu'il dit à ce moment-là. Il dit « Ces manifestations d'immigrés sont absolument scandaleuses et nuisent à l'ordre public. Il est non moins scandaleux qu'elles ne soient pas plus sévèrement réprimées. » Et il ajoute « C'est très pénible, vous savez, d'être envahi par eux. » Encore une fois, il y a cette image d'envahissement. Ben, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. C'est quand même parce qu'on n'a pas purgé notre histoire de la guerre d'Algérie qu'on en est toujours au même point. Il ne faut pas croire, là j'entendais un représentant du Front National dire « Oui, bon, d'accord, mais nous, on ne pense pas au passé, on pense à l'avenir. » Quand on ne résout pas, quand on ne purge pas le passé, il vous empoisonne jusqu'au bout de votre avenir. Et nous, on est toujours exactement dans la même mélasse. Parce qu'on n'a pas fait le travail de mémoire sur l'Algérie. Le travail d'historien, le travail de mise à jour de ce qui s'est vraiment passé. C'est un continuum colonial qui est extrêmement présent. Alors, sur Marseille, on rappelait donc le contexte, l'atmosphère est extrêmement pesante avec ce qu'on vient de dire. Et à Marseille, il suffit d'un événement tragique fin août pour que toute la machine raciste s'emballe, avec notamment le comité de défense des Marseillais et l'Union des Français repliés d'Algérie. Qu'est-ce qui met justement le feu aux poudres? Comment est-ce qu'ils instrumentalisent tout ça? Et qui sont ces organisations? Que cherchent-elles à ce moment-là? Alors, ce qui est très important, et j'ai mis Grasse en prologue, et puis je rappelle aussi qu'il y a eu un meurtre juste avant, un meurtre vraiment terrible, enfin bon, terrible, des joueurs de boules, trois Algériens qui jouent aux boules en famille, trois frères, qui se font injurier par des Français, qui au début ripostent pas, et puis au bout d'un certain temps, on entre dans les injures réciproques, et là, les Français sont sept, et là, il y a un Français qui tire son revolver et qui tue un des trois frères et blesse l'autre extrêmement gravement. Bon, ça se passe quelques jours avant l'incident qui va mettre le feu aux poudres. Donc, si vous voulez, on parle toujours de cet incident qui va mettre le feu aux poudres. C'est l'assassinat par un Algérien qui était très gravement atteint sur le plan, pas psychologique, physique, du cerveau, qui avait eu des très graves trépanations, etc., bon, qui donc était vraiment un déséquilibré profond, qui assassine un cheminot. C'est ça qui met le feu aux poudres. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que n'importe quoi aurait mis le feu aux poudres. Et je suis très très frappée par le fait que, y compris maintenant, quand on rappelle ces événements, on ne parle jamais ni de Grasse, ni de l'assassinat qui a eu lieu 3 jours avant, et on fait tout partir
de l'assassinat du Tramino. En fait, oui, il a mis le feu aux poudres, mais il a mis le feu aux poudres à un contexte qui était explosif, qui aurait explosé sur n'importe quoi. Voilà, donc cet assassinat est bien sûr épouvantable, comme très souvent les déséquilibrés psychologiques font pas dans la dentelle. Bon, il égorge le Tramino, il y a du sang partout, le bus se couche, enfin bon, c'est un très gros accident, une chose terrible. Voilà, et donc, oui, c'est le point de départ qui va justifier la vengeance contre la population algérienne. Et on a deux organisations, je le disais, le Comité de défense des Marseillais et l'Union française des repliés d'Algérie, qui est une organisation de pieds noirs, oui, qui va s'engouffrer dans la brèche, qui va instrumentaliser et organiser des manifestations. Alors le Comité de défense des Marseillais se crée à cette occasion. C'est pas une organisation permanente, il disparaîtra ensuite. C'est la tendance à la milice. C'est vraiment le Comité de défense des Marseillais, c'est vraiment dans la ligne de ce qui s'est passé à Grasse. Et c'est très très spectaculaire parce que c'est quand même pas si fréquent que ça en France. Par contre, c'était très fréquent en Algérie. Très fréquent en Algérie. Je veux dire, l'utilisation de milices populaires, qu'elles soient harkis ou qu'elles soient européennes, a été très importante dans la guerre d'Algérie. C'est pas une tradition franchement française. Enfin, bon, si on exclut la guerre de 40, la collaboration. Bon, c'est des choses qui apparaissent, en fait, dans les périodes de crise aiguë, quoi. Ce qui est très intéressant aussi quand on lit, alors c'est romancé évidemment, mais il y a une partie de très vraie, notamment avec tous les documents que vous permettez de voir, c'est qu'il y a véritablement chez beaucoup de pieds noirs presque un monde qui s'effondre. Ils ont dû partir de l'Algérie et beaucoup gardent une haine très forte envers les Arabes et surtout ne digèrent absolument pas l'indépendance de l'Algérie. Il y a quand même une manière de se venger sur les travailleurs ou sur les personnes présentes bien en sûr. France de ce qu'ils ont subi, c'est-à-dire qu'ils ont dû quitter l'Algérie et leur privilège. Bien sûr, mais bien sûr, et ils supportent pas la défaite. Ils sont battus. Je veux dire, il faut quand même dire les choses comme elles sont. La bataille est perdue. On a perdu la bataille en Indochine, on a perdu la bataille en Algérie, et voilà, la grande nation française est battue. Et ça, c'est pas supportable pour eux. Et on a parlé du rôle du gouvernement dans la circulaire Marcelin Fontanel. Et encore. Je voulais dire juste une toute petite chose. J'ai changé le nom de l'association de Pieds Noirs pour pas avoir d'ennuis. Mais par contre, j'ai repris le terme de replier. On dit généralement rapatrier. Non. Dans leur dénomination originelle, c'est replier. Pour repartir. Peut-être. Ouais. Voilà. C'est quand même très important. Très intéressant. Ça donne l'état d'esprit. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, on parlait donc tout à l'heure de la responsabilité du gouvernement avec cette circulaire Marcelin Fontanet. Il y a aussi des médias qui vont jouer un rôle très important aussi dans cette manière de chauffer un petit peu la population. Et de contribuer grandement à ce climat de violence, ce climat de haine envers les Arabes, envers les travailleurs immigrés. Je pense par exemple au Méridional, qui joue un rôle très important dans ce qu'il dit, très dans important. Ce qu'il raconte. Oui. Très important, c'est un journal d'extrême droite. C'est le deuxième journal marseillais. Le premier, c'est le Provençal. Le deuxième, c'est le Méridional. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? C'est peu croyable. Je veux dire, quand on lit, c'est peu croyable. On va lire. Justement, vous rapportez ce fameux éditorial qui a vraiment existé, hein, du chef de ce journal-là. Donc l'éditorial qui s'appelle Assez, 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 et qui dit: bien sûr, on nous dira que l'assassin est fou. Il faut bien une explication, n'est-ce pas? La folie n'est pas une excuse. Assez des voleurs algériens, assez des casseurs algériens, assez des fanfarons algériens, assez des trublions algériens, assez des violeurs algériens, assez des proxénètes algériens, assez des fous algériens, assez des tueurs algériens. Nous en avons assez de cette immigration sauvage qui amène dans notre pays toute la racaille venue d'outre-Méditerranée.
Il faut trouver un moyen de les marquer et de leur interdire l'accès au sol français. Et après, ce qui est très marrant, c'est que vous faites dire à un des inspecteurs, c'est Grimbert, non, c'est Delmas, donc un des inspecteurs qui va mener l'enquête sur l'assassinat du jeune Malik, et qui dit: dites-moi, Grimbert, j'ai lu l'édito du Méridional. Vous savez si le journal fournit les armes avec? Tellement c'était virulent, cette idée que véritablement. Et est-ce que Grimbert répond? Aux abonnés, sans doute. Aux abonnés, oui, aux abonnés peut-être, c'est ça, exactement. Et puis, il y a le préfet aussi, qui parle lui aussi de légitime colère, pour parler de manifestation. Absolument. Et pour légitimer, en fin de compte. Et ça, quand je cite une institution comme le préfet, je ne donne pas son nom, mais je cite le préfet, c'est toujours exact ce que je fournis. C'est pas, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me demander si le préfet avait vraiment écrit ça. Oui, le préfet a vraiment écrit la légitime colère. Donc, si vous voulez, et les rapports, alors, les rapports entre le préfet et l'extrême droite, m'ont été racontés par des gens qui m'ont certifié que c'était vrai. Bon, là, je suis moins sûre de moi parce que c'est pas écrit, et ça n'a jamais été revendiqué par les deux, mais il est bien probable que le préfet... Oui, il est bien probable que le préfet ait eu des rapports suivis avec le comité de défense des Marseillais. Et ce qu'il faut quand même aussi ne pas négliger, c'est que au moment précis où vous avez cet édito, le journal appartient à Defer. C'est ça, Gaston Defer, donc l'ancien maire de Marseille. Absolument. Ouais. Il a à la fois le Provençal et le Méridional. Qui lui-même a évolué. Au début, il ne voulait pas des pieds noirs dans sa ville, mais là, il est carré dans le sens du poil, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'a pas pu empêcher qu'ils arrivent, c'est quand même des gens qui votent, et voilà. D'accord, donc quitte à jeter de l'huile sur le feu. Donc, je le disais, le cœur de votre ouvrage, c'est cet assassinat d'un jeune gamin qui s'appelle Malik dans le livre, mais qui a véritablement existé. Un gamin de 16 ans qui était un soir dans son quartier, qui a été sauvagement assassiné, donc un véritable crime raciste, donc qui débouche sur son assassinat. Et on a votre, évidemment, le héros, le commissaire Daquin, qui est accompagné de ses enquêteurs, Delmas et Grimbert, qui appartiennent à la SRPJ, qui tentent de mener l'enquête, mais ils se heurtent très vite à de nombreux obstacles au sein de l'institution policière. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu comment est structurée cette institution policière? Parce qu'on sent qu'elle est véritablement pourrie de l'intérieur. Et de qui est-ce qu'elle est composée? Quels sont les réseaux, les organisations qui l'infiltrent? Et toute l'idéologie qui y règne? Parce que c'est quand même extrêmement important pour comprendre aussi toute l'impunité qu'il va y avoir ensuite. D'abord, maintenant, enfin, tout le monde le sait, les policiers, pas seulement d'Algérie, mais il y avait aussi des policiers français en Tunisie, il y avait aussi des policiers français au Maroc. Donc les policiers français, en nombre, ce n'était pas des consultants, c'était une police effective. Elle était aux mains des Français, elle était exercée par des policiers français. Ces policiers sont rapatriés. Au fur et à mesure que les colonies prennent leur indépendance, ils sont rapatriés en France. Ils gardent leur grade, leur ancienneté, leur grade, etc. Ils sont en fait dans le corps de la police française, qu'ils soient au Maroc, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Tunisie, pareil. Bon. Donc ça fait quand même une population très importante. Ce qu'on oublie tout le temps, c'est que c'est aussi vrai des corps de fonctionnaires comme les préfets. Papon a été secrétaire général de préfecture au Maroc, puis préfet au Constantinois pendant la guerre d'Algérie, avant d'être récupéré en 58 à Paris. Bolotte, qui a été le préfet du 93, qui a inventé la BAC. Ouais, en Guadeloupe, qui était présent en Guadeloupe. Oui, mais dans le 93, juste après la guerre d'Algérie, qui a inventé la BAC, a fait sa carrière en pays colonisé. Algérie, etc. Bon, c'est quand même en pleine guerre. Je veux dire, il y a tout un mélange institutionnel de notre administration et de notre police qui est très, très lié au phénomène colonial. Ça, on l'oublie tout le temps. Bon, donc, on a ce phénomène
très marquée à Marseille, parce que beaucoup de ces anciens policiers cherchent à rester sur la Côte d'Azur, plutôt, enfin sur le sud de la France, plutôt que de monter à Lille, qui a moins la cote. Bon. Ça, c'est une chose. Il y a toute une histoire très compliquée de Marseille, que je ne vais pas avoir le temps de vous raconter, de vous expliquer, mais c'est quand même une histoire très très compliquée, il faut le savoir. Pour moi, alors ça c'est mon point de vue, si vous voulez, de romancière, mais appuyée sur quand même pas mal de lectures et de travail, c'est la seule ville de France où on ait eu une institution qui ressemblait aux mafias italiennes. Parce que la criminalité organisée, pour prendre la configuration d'une mafia, doit avoir des appuis extrêmement forts dans le milieu politique. Et à Marseille, il y a eu cette configuration avant la guerre de 40, et on retrouve la même configuration après la guerre de 40 avec les Guérini. Les Guérini qui ont été des génies de l'organisation mafieuse, vraiment, et qui ont monté en fait toute la French Connection et géré toute la French Connection. Bon. Donc vous avez ça aussi, c'est-à-dire que vous avez une très très grande proximité du trafic de drogue et de la police, au point que quand on a décidé de faire la guerre à la drogue, sous l'impulsion de Nixon, qu'il a exigé de Pompidou, Pompidou n'avait pas du tout envie de faire quoi que ce soit là-dessus. Bon, quand ça a été déclenché, il a fallu liquider, enfin nommer ailleurs tous les stups marseillais et les remplacer par des stups qui venaient directement de Paris. Parce que les stups marseillais travaillaient avec des Guérini. Bon, donc il y avait, voilà, il fallait faire quelque chose si on voulait faire la guerre à la drogue. Donc, si vous voulez, il faut tenir compte de tout ça dans l'ambiance marseillaise. Les histoires que je raconte, elles arrivent pas à Paris. Elles arrivent pas à Lille ou à Rennes. Bon, elles arrivent à Marseille. Et si vous ajoutez à cette structure plus ou moins mafieuse, si vous ajoutez, dont Defferre est aussi un représentant, hein, si vous ajoutez là-dessus la présence en masse des pieds noirs, vous voyez un peu la situation, elle est difficile à gérer. Alors qu'est-ce qui... Et puis je vais rajouter une chose pour faire bonne mesure, c'est la création du SAC. Alors c'est la création d'abord, même avant le SAC. Qui est le sac, vous pouvez rappeler? Vous pouvez rappeler ce que c'est le sac? Oui, service d'action civique. C'est le service d'ordre de l'UNR. C'est le service d'ordre des gaullistes. Mais avant, en 47, quand De Gaulle crée son premier parti, il a aussi un service d'ordre. Et qui est le responsable du service d'ordre à Marseille? C'est un gangster qui ensuite va reprendre tout le trafic de cigarettes sur la Méditerranée. C'est lui qui est avec un deuxième, Franchisi et Renucci. Renucci, c'est les cigarettes. Franchisi, ça va être les cercles de jeu parisiens. C'est les deux fondateurs du service d'ordre de De Gaulle en 1947. Et quand alors, De Gaulle a la traversée du désert, le service d'ordre se dissout. Mais après, quand on recrée le sac autour de Pasqua, eh ben, on va retrouver les mêmes. On va retrouver les mêmes. Les services d'ordre de SAC, vous savez comment le SAC a fini. Le SAC a fini dans une tuerie absolument invraisemblable, interne au SAC. C'est un type qui voulait être chef du SAC marseillais, qui est allé assassiner son concurrent et toute la famille du concurrent. La belle-mère, la belle-sœur, la vieille grand-mère, les enfants, la frère, tout le monde. Je crois qu'il en a tué sept. Bon. Pour avoir le pouvoir au sac. Bon, vous voyez un peu le genre de milieu. Bon, alors vous avez le sac, vous avez les pieds noirs, vous avez les anciens de l'OAS. La situation est Beaucoup, difficile. ouais.
Mais Et juste, allez, allez, juste une anecdote, pour un problème très très précis de source, à savoir comment est organisée la police scientifique à Marseille, à cette époque-là, en 73, j'ai eu deux sources fiables qui m'ont donné des versions différentes. D'accord, oui. C'est le bordel. Bon courage. C'est le bordel. Alors, je parlais un petit peu de l'organisation de la police et... Mais ce que montre aussi cette histoire, vraiment ce qui ressort, c'est que la violence ne revêt pas seulement une dimension physique à travers le meurtre ou discursive, à travers la rhétorique raciste, anti-immigrée. C'est aussi une violence qui se matérialise dans la destruction des preuves, la manière dont la police bâcle les affaires, l'impunité, et puis aussi la manière dont on va essayer de salir les personnes qui sont tuées. En niant la dimension raciste du crime et en faisant passer ça comme des incidents, comme des rixes ou comme des règlements de compte, où on nie véritablement cette dimension-là. Complètement. Et ça, il faut revenir sur ces notions d'impunité. Il faut revenir. On n'a pas de police propre quand elle est garantie de son impunité. C'est pas vrai, jamais. Et là, l'impunité, elle est totale. Elle est totale. Et il faut dire que la justice ferme les yeux. La justice est dans le coup, complètement. Complètement. Il faut le dire aussi, si vous voulez. C'est l'impunité, c'est parce que la justice le joue. Bien sûr. Et bon... Mais c'est vrai que, justement, sur l'impunité, donc on a le père de Malik. C'est inventé, mais en même temps, c'est... Ça dit beaucoup véritablement de ce que ressentent les travailleurs immigrés, ce que ressentent aussi les Arabes à l'époque, c'est-à-dire c'est cette impunité de la justice. Et on a donc, je lis un petit peu, hein, le père de Malik, donc cette personne, ce gamin qui a été assassiné, il disait mais je savais que le procès serait très dur, il n'y a pas de procès, à vivre pour ma famille, après ce que mes fils ont subi depuis la mort de Malek. C'est facile d'imaginer toutes les saloperies que les policiers peuvent raconter devant le tribunal pendant des jours et des jours. Des policiers, on les croit forcément. Et les avocats des policiers et les juges qui en rajoutent l'air de rien. Et nous, on doit supporter ça sans bouger, jour après jour. Tu imagines la souffrance? Et pour se terminer, comment? Comme d'habitude. L'assassin et ses complices tuent un Nord-Africain, pas si grave. Un an de prison avec sursis. Le juge trouve que c'est une bonne décision. Il dit peut-être une décision de justice équilibrée. Et nous devons être satisfaits? C'est une humiliation terrible. La justice française nous dit que, dans ce pays... Notre vie à nous ne vaut rien. Je n'ai pas envie de l'entendre. Je trouve que ça dit énormément et ça résonne encore une fois énormément avec ce que beaucoup de jeunes issus de l'immigration postcoloniale, etc., vivent aujourd'hui, c'est-à-dire cette humiliation et en fin de compte, cette non-réponse de la justice, quoi, qui se fout complètement de leurs histoires. Absolument. Et bon, j'aimerais dire qu'il y a un sursaut actuel, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, ce qui est très très frappant aussi dans la même lignée, c'est le 17 octobre 61, il n'y a même pas de mort. Il compte tellement peu qu'on dit bon, deux morts. Et encore. Et encore. Et encore, on est généreux. Non, l'absence de comptage, l'absence totale de prise en compte. C'est qu'il n'existe pas, tout simplement. Les gens n'existent plus. Voilà. Ça, c'est très profondément colonial. Et c'est resté très profondément français jusqu'à aujourd'hui. Alors, un peu plus atténué aujourd'hui quand même. Je veux dire, si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que le massacre du 17 octobre, c'est vraiment la transposition des méthodes coloniales en France. Voilà. Le fait nouveau, c'est ça. À part le 14 juillet 53, c'est la première fois qu'il y a quand même un massacre comme ça. Bon. Mais c'est les méthodes coloniales. Dans les colonies, il y en a tout le temps. Et quelquefois des dizaines de milliers. De toute façon, d'ailleurs, on sait que même au 19e siècle, les techniques coloniales de répression ont ensuite été importées, notamment pour massacrer les grèves en 1948 ou en 1971. Il y a cette importation qui est extrêmement importante. C'est vraiment un terrain d'expérimentation à la C'est un terrain d'expérimentation et de formation de l'armée et de la police à la répression violente comme seul moyen de tenir le sol.
Les crimes racistes qui ont lieu à Marseille, donc à l'intérieur de la France, s'accompagnent aussi parallèlement de la tentative de déstabilisation par les services secrets français du nouveau gouvernement algérien. Il y a toute cette question du pétrole qui est extrêmement importante, l'Algérie qui nationalise son pétrole, il y a cette souveraineté algérienne sur le pétrole qui rend un peu fou les Français, puisqu'ils ont dominé pendant près de 130 ans et qu'ils avaient les mains libres sur les ressources naturelles. Ils ont trouvé le pétrole très tard. Très tard, et ça n'en revient même pas. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, cette revanche aussi et ce monde qui s'effondre, il y a certains, vous leur faites dire à certains pieds noirs, ils disent Boumediene nationalise notre pétrole. Oui. Ils considèrent encore que c'est à eux, oui, et qu'à un moment donné, ils le retrouveront. Et je le disais, donc il y a les services secrets français qui vont tenter donc déstabiliser le gouvernement algérien par l'intermédiaire d'une organisation que je ne connaissais pas, qui s'appelle les soldats de l'oppression algérienne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler Alors, je vais vous dire, je ne la connaissais pas non plus. Bon, bah. Je suis tombée là-dessus, j'ai été mais complètement, totalement sidérée. Je ne pouvais pas imaginer que nos services secrets étaient puérils à ce point. C'est quand même ahurissant, ahurissant. Bon, alors, le SOA, c'est soldats de l'opposition algérienne, évidemment, c'est les lettres de OAS, évidemment, dans un autre ordre, mais bon, la référence est à l'OS. C'est une organisation secrète qui s'appuyait sur les pieds noirs, évidemment, une frange, là je crois qu'il faut quand même dire une frange de pieds noirs. Une frange, oui, très rapide. Bien allumée. Et faut quand même pas leur donner la totalité. Et des harkis aussi, qui recrutait parmi les harkis, et qui avait le projet de revenir en Algérie, où ils pensaient, ils l'ont écrit à plusieurs reprises, qu'ils seraient accueillis comme des libérateurs avec des fleurs. Bon, alors là où c'est un véritable drame, hein, c'est que... Alors là, je pense, si vous voulez, que ce SOA a été très très largement ignoré par les historiens, par tout le monde. Moi j'ai retrouvé dans les bouquins toutes les traces, enfin je veux dire, ça a existé. Et c'est très impressionnant parce que ça existe justement, ça devient une organisation à la suite des assassinats. C'est dans la foulée des assassinats de l'automne 73 que cette organisation se forme. Et à partir de ce moment-là, elle va faire toute une série d'attentats en Europe contre les biens de l'État algérien. Je pense que très très souvent, dans ce que je lis dans les journaux ou les trucs comme ça, on a fait la continuité entre cette vague d'assassinats de l'automne et l'attentat contre le consulat de l'Algérie à Marseille en décembre 73, donc de la même année. Moi, je ne crois pas que ce soit dans la lignée et que ce soit la même chose, si vous voulez. Je pense que la vague d'attentats individuels, ces gestes de haine et de joie de tuer, parce qu'il y a ça aussi. La vengeance passe par le meurtre. Et il y a une espèce de joie d'avoir tué l'ennemi. C'est pire que l'ennemi. C'est pas un ennemi, c'est quelque chose de très très lourd psychologiquement, affectivement, etc. Bon, donc la joie de le tuer... Le terme de ratonnade, de toute façon, il y a... Oui, oui. Après, on est dans une situation tout à fait différente. On est dans une situation beaucoup plus organisée et où il y a le choix de cible en fonction de l'objectif final. L'objectif final, c'est de débarquer en Algérie. Bon, donc c'est les biens gouvernementaux algériens auxquels on s'attaque, ceux de l'association ou ceux du gouvernement. Et il va y avoir une vingtaine d'explosions dans toute l'Europe. C'est absolument incroyable, là, ça aussi, on n'en parle absolument jamais.
qui n'auront jamais de coupables. Personne n'est arrêté pour ces attentats, pas plus pour le consulat que pour les autres. Le consulat est le seul où il y a eu des victimes, mais pas plus pour le consulat que pour les autres. Et ça, vous voyez bien à quel point ça peut jouer aussi dans la mentalité des types qui sont organisés dans le SOA. Ils se sentent vachement puissants. Ils se transportent dans toute l'Europe, ils font sauter des trucs en Angleterre, en Allemagne, en France. Il ne se passe rien. Et financés par les services secrets français. Et ils sont financés largement par les services secrets français. Probablement pas seulement, mais largement. Et il y a un ancien de la CIA aussi là-dedans. Enfin bon, mais qu'est-ce qui leur prend? Je veux dire, on n'arrive pas à y croire. Et ils débarquent en 75, je crois, ça je me souviens plus très très bien, en Algérie, ils tiennent 3 jours. Ils tiennent 3 jours. Et ils vont se taper 15 ans de tôle quand même. Après, la CIA va récupérer le sien, enfin bon. Et puis les services secrets français vont aussi négocier, enfin bon, mais ils font que 15 ans de tôle. Bon. Mais ils ont posé une bombe devant Moudjahidine. Et ils ont fait 3 jours. Ils ont tenu 3 jours. Et il n'y a pas eu de fleurs. Et il n'y a pas eu de soulèvement populaire. Bon, je veux dire, c'est inouï. C'est une histoire inouïe. Bon, alors, au début, je n'avais pas du tout prévu d'en parler, évidemment. Et puis, quand je suis tombée dessus au fur et à mesure des recherches, je me suis dit, une histoire comme ça, il faut quand même la raconter. C'est quand même incroyable. Ça se voit qu'il ne digère absolument pas l'indépendance d'Algérie. Mais qu'il n'y a aucune rationalité. C'est qu'il n'y a plus aucune rationalité. C'est la haine et c'est le... Oui. De même, alors, de ce point de vue-là, les sentiments sont bien les mêmes que ceux qui vont tuer un Algérien dans la rue. Oui, bien sûr. Et malgré ce climat de terreur qui pèse sur les Arabes à cette époque-là, la famille Kider, donc, qui est la famille de Malik, elle peut compter sur quand même un immense... de solidarité, de fraternité, notamment à l'initiative du mouvement des travailleurs arabes. Est-ce que vous nous rappelez qu'est-ce que cette organisation, quel rôle elle joue auprès des travailleurs arabes en général, et plus particulièrement, parce qu'elle va jouer un rôle très important de réaction, oui, à ces assassinats à Marseille, en organisant notamment, oui, des grèves. Alors, il faut dire que face à la circulaire Marcelin-Fontanet, ouais, il y a eu des réactions. Et les premières réactions, ça a été les Tunisiens, parce que... À Grasse. Non. Ah oui, il y a eu Grasse. Mais avant, au printemps, ils ont fait des grèves de la faim. Et ce qui est très, très spectaculaire aussi, c'est que à l'époque, l'épiscopat français et toute une partie de l'Église catholique française soutient ces mouvements. Les Tunisiens font très souvent leurs grèves de la faim dans des locaux religieux. Protestants, ou un pasteur protestant. Oui, mais catholique aussi. Catholique aussi. Donc, si vous voulez, il y a eu ce type de réaction. Bon. Et puis, il y a une organisation qui est le Comité Palestine, qui est un lieu où se regroupent beaucoup de Syriens. Il y a beaucoup de Syriens, enfin, beaucoup. Des intellectuels syriens, on va dire. Et puis toute une série de Maghrébins. Bon, il y a beaucoup de Syriens aussi en France à ce moment-là. Bon. Et ce comité Palestine se bagarre sur la question de la Palestine, enfin bon, mène toute une série d'actions. Et dans les années, à la suite de la circulaire, dans les années 72-73, il y a l'urgence de trouver des liens plus étroits et plus profonds avec les travailleurs. Et puis il y a l'influence des Mao aussi. Et là, il y a l'influence de l'établissement, les Mao, etc., bon, qui joue aussi de façon importante. Donc, on a tout un mouvement, disons, vers les travailleurs en usine. Et le MTA, ça va être créé à partir de là, à partir du Comité Palestine. C'est une série des militants du Comité Palestine qui crée le mouvement des travailleurs arabes. Dont les mouvements de grève à Marseille sont les premiers, les plus importants. Ils sont impressionnants. Ils sont extrêmement impressionnants. Et dans la discussion qui a eu lieu avec les gens qui ont vécu cette période-là,
Il se pose la question, mais comment on a réussi à faire ça? Oui. Il y a un côté vertigineux. Il y a un côté vertigineux. Qui n'y croit pas au début, mais on se rend compte aussi qu'ils recouvrent leur dignité à travers la grève. Oui, c'est très, très impressionnant. Et si vous voulez, ça, c'est vraiment, bon, comment on est arrivé à faire ça? Et ce qu'il faut voir aussi, si vous voulez, c'est que à ces assassinats, la réponse des syndicats français était pratiquement totalement nulle. Et quand il y a eu un début de quelque chose autour du MTA, ce que les syndicats français ont proposé comme contre-feu pour essayer de reprendre la maîtrise, c'était une journée d'action en entreprise, c'est-à-dire on fait des délégations, on va voir le patron, on vote une motion, bon. Donc rien. Je connais de l'intérieur, je sais que c'est rien. Et qu'on fait ça comme la fête des mères, quoi, en gros. Bon, donc rien. Et ça, c'est aussi une sérieuse question par rapport à tous ceux qui disent pas d'organisation séparatiste. Parce qu'il y a cette idée que les travailleurs arabes, en menant leur mobilisation, leur grève, à partir aussi de leurs conditions propres, spécifiques, de travailleurs arabes, migrés, racisés, etc. Assassinés, évidemment, ils divisent la lutte. Il y a cette idée-là aussi qu'ils divisent la lutte et en fin de compte... Ils divisent la lutte, oui. Ce qui revient beaucoup encore aujourd'hui. Absolument. Mais absolument. Et ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Très impressionnant. Alors que ce que l'histoire montre, c'est que la lutte a été efficace. Les assassinats ont cessé après la position de Boumediene. Qui stoppe l'envoi de travailleurs algériens. Oui. Oui, vous parlez par exemple qu'il y a dans les chantiers de construction des usines de la Solmer à Fos, il y a 3000 grévistes, donc 60% des chantiers qui sont paralysés par. Et plus de 20 000 d'ouvriers du bâtiment qui s'arrêtent. Ah oui, non, il y a plus de 30 000 sur le département, c'est énorme. Ouais. Énorme. Et à La Ciotat, la première des grèves qui est juste sur le chantier naval, 1800 travailleurs immigrés, tous en grève. Et le chantier s'arrête. Mais comment voyez cette position des syndicats traditionnels, je dirais, des partis de gauche traditionnels? Est-ce qu'il y a cette idée aussi que les travailleurs arabes... Parce que moi, ça m'a énormément fait penser à ce concept d'Aimé Césaire, le fraternalisme, cette idée voilà, du blanc qui est toujours en train d'avoir une position de supériorité par rapport à l'arabe qui lui dit tu es mon compagnon mais quand même tu es mon camarade mais quand même j'ai sur toi une assise, j'ai sur toi une forme de supériorité. Est-ce qu'il y a aussi cette idée qu'en fin de compte les travailleurs arabes ne sont pas véritablement des sujets révolutionnaires et qu'en fin de compte on doit tout de même les guider, être l'avant-garde de leur lutte? Si vous voulez, vous avez alors bon, je pense que le racisme est quand même une des choses les mieux partagées à la surface du monde. Hein. C'est pas une exclusivité française. Ceci dit, si on parle du racisme français, le racisme français explose à la fin du 19e siècle, vraiment. Faut quand même pas oublier que pendant la Révolution française, il n'y avait pas besoin d'être français pour être député à la Convention. Il y a des Américains qui ont siégé à la Convention. C'était un mouvement révolutionnaire. C'était une période extrêmement révolutionnaire. C'est spécial. Bon. C'est un parti colonial qui était aussi très fort à cette époque-là. Pas la Révolution française. Une partie, pas, je veux dire, après, il y a des luttes, évidemment. Après, tout de suite après. Mmh. Non, c'est quand même la Révolution qui a aboli l'esclavage sans compensation. C'est Napoléon qui est revenu derrière. Oui, bien sûr. Mais pendant les premières constitutions de 1791, par exemple, etc., oui. Il n'y a pas de remise en cause de l'esclavage au début. C'est 1794, donc c'est... C'est la Convention. Oui, c'est la Convention, mais je dis que les assemblées précédentes n'ont pas aboli. Absolument. Voilà. C'est le mouvement qui s'est radicalisé, etc. Je parle par exemple, le club de l'hôtel Massia, qui était le lobby colonial de l'époque, qui, lui, était très farouchement opposé à toute forme de révolution. Oui, mais qui n'a jamais eu la vraie majorité, quoi. Oui, mais qui était influent. Et par contre, alors à la fin du 19e, ce qui est extrêmement spectaculaire,
C'est le mélange très profond, très très profond, de l'universalisme et du colonialisme. C'est l'universalisme qui justifie, qui sert à justifier la colonisation. On colonise pour apporter les bienfaits de la civilisation universelle. Voilà, c'est assez... c'est, et si vous voulez, sous la troisième, comme sous la quatrième, le lobby colonial est extraordinairement puissant. Extraordinairement puissant. Et va toujours se servir, nous c'est l'école, nous c'est ceci, nous c'est cela. Ce qui est impressionnant, c'est que le mouvement ouvrier et s'est jamais complètement démarqué de ça. Ça me paraît quelque chose... J'ai lu, alors là, très très récemment, cette chose tout à fait extraordinaire, qu'à une des réunions de la Troisième Internationale, il y a eu un débat parce que la Troisième Internationale avait invité une délégation algérienne. Et Thorez a dit non. L'Algérie, c'est la France. C'est nous qui représentons l'Algérie. Ouais, c'est bon. Donc le syndicalisme français ne s'est jamais vraiment... Il y a eu... c'est compliqué. Il ne faut pas que je fasse non plus de caricature. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a eu une série de luttes ouvrières vraiment mêlant très étroitement immigrés français. Très étroitement. Et dans ces luttes-là, le racisme disparaît. Moi, j'en ai vécu. Et je dis, là, c'est vraiment spectaculaire. On voit que la façon de faire disparaître le racisme, c'est de se bagarrer ensemble sur des objectifs communs. Mais la possibilité d'élaborer ces objectifs communs en commun, elle est très très rare. Elle est très rare et ça se compte sur les doigts d'une main, on va dire. Et tant que ça n'a pas lieu, eh bien les réactions sont très décevantes, oui, décevantes. Pour moi qui suis une vieille syndicaliste, c'est très très décevant. C'est aussi cette phrase d'Engels aussi où il se demande à ce que pense la classe ouvrière par rapport au racisme, etc., au colonialisme. Et ben, souvent, elle pense la même chose que la bourgeoisie et qu'elle est aussi imprégnée de toutes ces représentations. Elle est complètement, profondément imprégnée. Mais quand on arrive à... Quand s'ouvrent des luttes qui sont des luttes vraiment de masse, avec des objectifs atteignables, qui entraînent des victoires, etc., ça craque. Ça craque. Moi, j'en ai eu l'expérience à plusieurs reprises, ça craque vraiment. Mais c'est les seuls moments où on y arrive. On ne peut pas y arriver par un discours. On y arrive par une expérience commune. Et lorsque l'expérience commune n'est pas engagée, il est tout à fait légitime qu'on ait des organisations du type MTA. Tout à fait légitime, on ne va pas se laisser tuer sans rien faire. Il y a un terme qui revient énormément et qui nous en tant que militants antiracistes, nous parle beaucoup, nous touche énormément, c'est le terme de dignité, qui revient beaucoup dans les mots des militants, du MTA, dans les mots des grévistes. Qu'est-ce que ça recouvre, et surtout à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là de cette revendication de la dignité? Il faudrait vraiment leur demander. Oui. Vous les avez rencontrés d'ailleurs. Oui, mais c'est on est des êtres humains, quoi. On est des êtres humains, on est à égalité avec vous. Voilà, on est humains, on est des hommes, vous êtes des hommes, nous sommes des hommes. Les seuls universalistes, c'est eux. Je disais, comment est-ce que vous expliquez que de tels drames, quand même, qui sont assez conséquents, qui sont assez graves, restent encore aujourd'hui méconnus? Comment est-ce que vous expliquez cette construction de l'oubli? Est-ce que vous établisseriez un parallèle, par exemple, avec
tout le recouvrement qui est fait autour du 17 octobre 61, cette manière d'occulter complètement le... Bien sûr. Bien sûr, ça relève de la même mécanique. Avec le fait, si vous voulez, que là, l'État n'est pas, enfin, est moins directement responsable en première personne. L'État couvre le mauvais fonctionnement de la police, le mauvais fonctionnement de la justice, etc., etc. Mais le 17 octobre, il donne les ordres. Hein. 17 octobre, il donne les ordres. Pas de manif dans Paris. Faites comme vous voulez, mais pas de manif dans Paris. C'est vrai, Papon l'a eu, l'ordre de tenir Paris. J'aimerais qu'on finisse sur ce va-et-vient avec l'histoire et le présent. Il y a un auteur que vous aimez beaucoup, que j'aime aussi énormément, Luis Sepúlveda, le grand militant et écrivain chilien qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui disait cette fameuse phrase « raconter, c'est résister ». Et ce qui est troublant et en même temps très inquiétant quand on vous lit, c'est de voir qu'on est frappé par les discours, je le disais, par les rhétoriques anti-immigrés, tous ces termes qui sont utilisés, l'invasion, même ces questions du grand remplacement un petit peu déjà à l'époque, de cette immigration sauvage. Et aujourd'hui, on voit la loi séparatisme, les discours islamophobes, etc. Est-ce que votre livre, c'est aussi une manière, premièrement, d'alerter? Enfin, une manière qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé à l'époque, déjà, premièrement, c'est un peu aussi l'objectif de l'historien, mais aussi d'alerter et de dire attention, ça risque de se reproduire, alors peut-être pas dans les mêmes formes, dans les mêmes manières, mais en tout cas. Ah ben ça, c'est clair que ça arrive. La mécanique est. Ah oui. Ah oui, ça, c'est clair. Et pas dans les mêmes formes, j'en suis pas tellement sûre. J'en suis pas tellement sûre. Peut-être pas dans les mêmes formes, on verra, mais ça, que ça se reproduise, c'est clair. Je veux dire, je ne sais pas si on arrive à prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans la campagne électorale. C'est ahurissant. Si vous additionnez le FN et Zemmour, c'est quand même ahurissant. Et bon, moi, je suis convaincue, mais ça, c'est parce que c'est mon défaut d'historienne, et de romancière, etc., je suis convaincue que si on ne met pas vraiment à jour les révélations, le travail historique sur ce que l'on a fait vraiment, sur ce que nous sommes, nous, c'est la seule façon, en mettant à jour ce que nous sommes, de l'assumer et donc de changer. Tant que c'est du non-dit, ça reste. Tant que c'est du non-dit, on l'a dans le cœur et on fonctionne avec ça. J'ai été très, très... C'était spectaculaire. Sur le 17 octobre, on a entendu, je crois que c'était une députée ou une sénatrice LR, ressortir sur le 17 octobre, mais tous les vieux trucs, alors que c'est fini sur le 17 octobre, c'est établi maintenant, après 30 ou 40 ans de bataille, on sait ce qui s'est passé. Bon. Elle ressort, oui, mais les Algériens se tuent entre eux, à la télé. Et les journalistes lui disent pas, non mais attendez, ça va pas, arrêtez. Tous les poncifs qui fonctionnaient à l'époque, bon, le 17 octobre, les Algériens se sont pas tués entre eux. Bon. Et puis les harkis, on a tué les harkis pendant le 17 octobre. Enfin, mais le massacre des harkis, les Algériens se tuent entre eux et tout, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et il n'y a pas en face de réponse, alors qu'aujourd'hui, on le sait. Bon, mais ce n'est pas passé dans la population. Est-ce que ça suffit de savoir? Non, bien sûr, mais ça aide. Mais ça aide. Il faut s'appuyer là-dessus. Bien sûr que non, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on fait des romans. Ben écoutez, merci beaucoup Dominique Manotti. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci, c'était vraiment un plaisir. Et je ne peux que conseiller la lecture de cet ouvrage, vraiment. Marseille 73, une plongée dans cette époque encore trop méconnue et qui pourtant fait peur, mais en même temps donne aussi
de l'espoir, parce que quand on voit quand même ces mobilisations, ces grèves, on se rend compte que, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, les travailleurs immigrés, les Arabes qui ont été présents, qui sont encore présents sur le territoire français, qui sont là, qui ne partiront pas, qui restent, n'ont jamais courbé les chines, se sont toujours révoltés, se sont toujours résistés de différentes manières, mais la lutte a toujours été présente. Alors merci beaucoup, je remercie Christophe, encore une fois, à la technique qui nous a permis de tourner. Merci à Elodie qui nous a aussi aidés. Et puis donc le prochain En Esprit sera animé par Wissam Gzelka. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode.